Salut, salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le MicroFreak. Aujourd'hui, on va designer un son, et notamment un son de violon, celui qu'on a entendu dans l'introduction de la vidéo. Voilà, c'est un son qui est très très réaliste. On y ajoute un petit peu une dimension dramatique, notamment grâce au sound design, et puis grâce aussi à la petite pédale qui est juste à côté, qui est une Ocean's Eleven de chez Electro Harmonix, c'est une reverb. Voilà, donc tout ça va créer un son très réaliste de violon, et puis également une ambiance un petit peu suspense, angoisse, film d'horreur, thriller. Alors, ce qu'il y a de bien avec le MicroFreak, c'est qu'on a 12 moteurs audio différents à notre disposition pour créer les sons, en tout cas comme point de départ pour créer un son. Et dans ces 12 moteurs audio, on a notamment un moteur audio qui s'appelle le Carplus Strong, qui est vraiment dédié aux sons tirés, ou même des sons de percus, ou des sons tirés, pardon, des sons de cordes, des sons de string, de violon, enfin bon, voilà. Alors pour commencer, on va sélectionner un patch vide. Ensuite, on va donc effectivement utiliser le moteur Carplus Strong, donc ça se situe ici, au niveau du premier rotatif orange, qui s'appelle Tip. Donc là, on va sélectionner notre moteur audio, qui est là. Plus strong. Ensuite, on a trois rotatifs ici. Le premier rotatif qui s'appelle Wave est en fait l'archet. Donc, quand on va tourner le bouton vers la droite, on va vraiment ajouter un facteur d'archet. Voilà. Le deuxième rotatif ici est dépendant du premier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on engage de l'archet, le deuxième rotatif n'a pas d'effet. Donc, nous, pour l'occasion, on ne va pas s'en servir parce qu'il n'aura pas d'effet. On va déjà commencer à écouter notre son, en tout cas à le designer. Voyez? Ensuite, le quatrième rotatif, Shape ici, est en fait le dosage de decay de notre son. En plus de l'enveloppe qui est là, qu'on va presetter juste après. Voilà. Là, on a déjà un son de base qui se rapproche beaucoup de ce qu'on a envie de réaliser, c'est-à-dire un son de violon. Alors maintenant, on va s'attacher au design du filtre de notre son. Alors vous voyez que le moteur audio Carplus Strong, effectivement, il va rajouter, quand on met de l'archet, on a vraiment une sensation de frottement, on entend un bruit de frottement. Et donc avec le filtre, on va venir travailler ce bruit de frottement, histoire de l'atténuer ou de l'accentuer en fonction de ce dont on a besoin. Moi, je vais utiliser le High Pass Filter, d'accord? Je vais mettre un tout petit peu de résonance pour commencer, mais pas beaucoup, et puis on va écouter ce que ça donne. Voilà, alors ça n'a pas l'air mal comme ça. Maintenant, on va régler l'envoi de l'enveloppe vers le filtre. On va aussi régler notre enveloppe, hein, vous inquiétez pas. Alors vous voyez, pour l'instant, le son est très sec, hein. C'est pas très joli. On va donc pour ça, pour obtenir cette sensation de tirer, c'est-à-dire d'archer, on va allonger l'attaque, déjà pour commencer. Voyez, on a un son de claquement entre les deux, entre les passages des deux, donc on va déjà positionner le synthétiseur en mode paraphonique, et puis on va venir ici avec le sustain, on va allonger le sustain de façon à ce qu'on ait un son constant, comme si on tirait un archet en permanence, d'accord? Et vous voyez maintenant, on a beaucoup moins cette impression de morsure d'une note vers l'autre. La sensation de passage est beaucoup plus douce. Alors, on a designé notre enveloppe, on a designé évidemment l'oscillateur, on a aussi designé nos filtres. J'aimerais juste ajouter un tout petit peu de mouvement de façon à créer un peu de vie dans notre son. Et pour ça, je vais utiliser l'enveloppe cyclique qui va être dirigée vers le pitch, tout simplement. Alors, on va prendre des valeurs basses pour l'instant. Voilà, on va écouter ce qui se passe. Donc, on va se positionner ici à la première intersection, donc enveloppe cyclique, pitch. On va y mettre une valeur très douce, vraiment pas la peine d'y mettre plus que cette valeur-ci, 1,2 pour l'instant, et on va voir ce que ça donne.
Ouais. Là, on entend un léger mouvement. Donc maintenant, on va l'atténuer. On va atténuer ce mouvement avec le bouton Amount, c'est-à-dire qu'on va envoyer moins d'enveloppes cycliques dans le pitch, de façon à ce que ça soit vraiment suggéré. Voilà, donc là c'est vraiment pas mal. On commence vraiment à se rapprocher du son dont on a besoin pour notre sound design. Je vais maintenant faire la même opération, mais cette fois-ci avec un facteur de presse, c'est-à-dire quand on va, au plus on va appliquer de la peau sur le clavier et au plus on va légèrement moduler le pitch. Hein. Ça va simuler un petit peu la force avec laquelle on appuie sur l'archet finalement. Vous savez que quand on appuie sur des cordes, quand on les tend, on modifie la hauteur du son évidemment. Hein. On va sortir de l'édition du premier paramètre, hein, c'est-à-dire de l'enveloppe vers le pitch, et on va se positionner ici, à l'intersection Press et Pitch. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur le rotatif matrix pour entrer notre valeur, et cette fois-ci la valeur elle va être très très basse, hein, vous voyez. On ne dépasse pas l'unité, quoi. On est en dessous de l'unité, largement en dessous de l'unité. Et ça donnerait quelque chose comme ça, donc on va sortir l'édition pour qu'on voit ici dans la matrice les différentes modulations, et ça donne ça. Voilà, après si on veut une sensation plus staccato, bah effectivement on va pouvoir utiliser l'enveloppe et notamment l'attaque, qu'on va refermer un peu. Ok, alors on a presque terminé notre sound design, on se rapproche vraiment d'un son de violon, on a vraiment une sensation très réaliste. La petite touche finale, en tout cas pour moi, ça va être de rajouter une reverb, et notamment une reverb type shimmer ou polyphonique, comme le propose l'Ocean's Eleven, qui a plusieurs modes. Son dernier mode ici, c'est un mode poly. C'est un petit peu un mode shimmer dont on pourrait sélectionner la hauteur de la note qui est reproduite par la pédale. Et je l'ai précédé avec une octave inférieure et un peu de reverb. Donc ça va donner ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a terminé avec le sound design des cordes et des violons un petit peu angoissants et thrillers. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez passé un bon moment également. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.